Aujourd'hui, les trois chiffres clés de notre activité, on génère plus de 15% de notre chiffre d'affaires en ligne. On a 2 millions de visiteurs uniques mensuels sur l'ensemble de nos sites B2C, c'est-à-dire à destination de nos clients. Et aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 50% de notre trafic qui soit fait via un support mobile. Donc c'est déjà le cas sur certains pays. Et du coup, on s'attend à ce que cette année, la barre des 50% soit franchie au niveau mondial. Mais notamment sur l'amélioration de l'UX et de la conversion, on a pu mener deux tests. Le premier sur les inscriptions à la newsletter, c'est-à-dire un déclenchement de pop-in quand les visiteurs s'apprêtent à quitter le site. On s'est rendu compte que c'est un incontournable aujourd'hui des sites web. Et on s'est rendu compte que ça avait boosté énormément notre inscription à la newsletter. Et ensuite, un peu plus complexe, sur des moteurs de recommandation. Donc on a travaillé sur un algorithme en interne sur l'historique d'achat de nos clients. Et du coup, on a poussé ça via l'outil Caméléon sur notre site web. Les KPI, en gros, vont dépendre du test qu'on va mener. Par exemple, le test sur une inscription à la newsletter, l'idée c'est pas tellement d'augmenter la conversion de notre site, mais plus d'aller chercher de nouveaux clients qui s'inscrivent à notre newsletter. Donc là, c'est vraiment comment on va augmenter notre base de données clients. Et ensuite, plus lié à la conversion, ça va être sur, par exemple, le moteur de recommandation qu'on a mis en place sur nos fiches village pour essayer vraiment d'orienter nos clients vers le bon produit pour que derrière, ils soient capables que la conversion augmente du coup sur notre site web.